deux façons de vivre. Présentation de la foi chrétienne. Point 1, premier point. Tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire, l'honneur et la puissance, car tu as créé toutes choses, et c'est par ta volonté qu'elles ont créé et qu'elles existent. C'est Dieu qui a créé ce monde-ci. Il a dessiné, il a fait commencer son existence. À l'origine, ce monde-ci était parfait, sans douleur, sans souffrance, sans mort. Et Dieu nous a créé, la race humaine, à diriger ce monde-ci sous son autorité. Il était à l'origine un monde en paix, en harmonie, parce que les êtres humains se soumettaient à Dieu et toute la création se soumettait sous les humains. Mais aujourd'hui, est-il la même chose? Deux façons de vivre. Point 2, deuxième point. Il n'y a pas de juste, pas même un seul. Aucun n'est intelligent, aucun ne cherche Dieu. Tous se sont détournés, ensemble ils se sont pervertis. Il n'y a aucun qui fasse le bien, pas même un seul. Tristement, la vérité, c'est que toute la race humaine a rejeté Dieu. Nous tous, nous faisons le choix de mener nos vies sans lui. Nous n'aimons point nous soumettre à son autorité. Nous préférons, nous tous, choisir nos valeurs et régler nos décisions sans égard à Dieu, le Dieu qui nous a créés. Oui, c'est vrai, il y a des hommes, des femmes polis, généreux, chaleureux, etc., etc. Mais au fond de nos personnalités, au niveau le plus profond, nous préférons ce que nous plaît et nous ignorons et nous rejetons ce que va plaire Dieu. Face à cette rébellion, qu'est-ce que Dieu va faire avec nous? Deux façons de vivre. Point 3, troisième point. Il est réservé aux êtres humains de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Dieu, qu'est-ce qu'il va faire face à notre rébellion? Dieu est un Dieu de justice. Il lui faut punir le mal en toute personne, en toute forme. Malgré qu'on peut continuer dans ce monde-ci avec sa propre vie, avec ses choix, etc. Enfin, après le mort, chacun va se trouver devant Dieu et devant le jugement. Tout ce qu'on a fait, toutes ses erreurs, tous ses péchés, tout va être clair et tout va être puni avec un châtiment éternel. C'est fin de l'histoire de la race humaine, fin de ton histoire, cher auditeur. Oui, sauf que Dieu a fait une grande intervention miraculeuse.
deux façons de vivre. Point 4, quatrième point. Christ aussi a souffert, et c'est une fois pour toutes, pour les péchés. Lui le juste, il a souffert pour les injustes, afin de vous conduire à Dieu. Quelle merveille! Dieu le Fils est devenu l'homme. Il a fait son entrance dans ce monde-ci. Il a vécu une vie extraordinaire. C'est une vie en soumission à Dieu, une vie d'amour, une vie parfaite. Et enfin, il s'est soumis à la mort. Il s'est soumis à la crucifixion. Il a souffert sous la colère de Dieu. Il a souffert à notre place. Un acte de substitution extraordinaire. L'un pour plusieurs, le juste pour les injustes. Et c'est parce qu'il a été crucifié pour nous, comme on a lu, maintenant, on va faire connaissance de Dieu. Pas comme un ennemi, mais comme un Père céleste. Deux façons de vivre. Point 5, cinquième point. Jésus est ramené du mort. C'est Dieu qui l'a ressuscité, qui l'a résurrecté et qui l'a installé comme maître du monde. 1 Pierre, chapitre 1, verset 3. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, conformément à sa grande bonté, il nous a fait naître de nouveau à travers la résurrection de Jésus-Christ pour une espérance vivante. C'est-à-dire, Jésus maintenant vit avec la vie éternelle de Dieu. Il s'est assis à droite de Dieu comme chef du monde. Et comme chef du monde, il a vaincu la mort. Après la mort, c'est Dieu qui a justifié, qui a donné preuve que Jésus n'est pas pécheur et il n'a mérité pas de mourir. Maintenant aussi, comme roi du monde, c'est Jésus qui donne la nouvelle vie. Il donne un nouvel commencement de la vie de tous et toutes qui font confiance en lui. Et aussi, c'est Jésus qui va retourner à ce monde triste comme juge. Et ce n'est pas tout. Point 6, le choix. Deux façons de vivre. Point 6, sixième point. Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Celui qui ne croit pas au Fils ne verra pas la vie, mais la colère de Dieu reste, au contraire, sur lui. C'est le choix qui s'offre à tous. C'est le choix que Dieu nous offre. Avec Jésus, on est pardonné, Dieu nous accepte, Dieu nous donne la promesse de la vie éternelle. Quand on fait confiance en Jésus, et quand on se soumet à Jésus comme roi, quand on dirige sa propre vie selon Jésus, sa volonté, ses enseignements, on peut être sûr de vivre avec Dieu pour toute l'éternité et de développer une relation avec lui, proche et personnelle. Au contraire, sans Jésus, l'avenir, c'est juste la réjection, le jugement, la colère de Dieu. Chers auditeurs, à vous le choix.